email continue à évoluer, il devient dynamique, et c'est Patrice Saint-Stéban qui nous en parlait beaucoup mieux que moi. Patrice, à toi, je te laisse présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je vais juste partager. Hop. Et lancer la présentation. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation? C'est bon? Donc, bonjour à tous. Patrice Saint-Stéban, donc, je viens de la société Zenica et je suis à Nantes depuis 2 ans. Je suis full stack essentiellement Java, JavaScript, mais j'ai fait du PHP à l'époque du framework SPIP et j'en fais toujours un peu pour des projets perso associatifs. Alors, historique un peu de l'email. Le premier mail a été créé, écrit par Ray Tomlinson, qui l'a envoyé le premier. Donc, le message du mail, c'était QWERTY IOP, donc un message super intéressant. Mais quand il a inventé ça, l'idée était de pouvoir partager, envoyer des messages entre machines et utilisateurs sur différentes machines. Et donc, pour pouvoir faire ça, il a utilisé le caractère arrobase. Donc, ce caractère est un caractère qui existait et qui avait la particularité de ne pas être dans les noms propres. Donc, ça mettre le nom arrobase, la machine sur laquelle on veut envoyer. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, l'arrobase est devenu le symbole utilisé pour l'email et puis, par extension, le symbole de l'Internet. Ensuite, on passe en 1976. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne-là. Donc, c'est la reine d'Angleterre. Donc, c'est la première grande personnalité qui a envoyé un mail toujours sur ARPANET, on va encore sur la photo. En 82, c'est là qu'on a commencé à parler du terme email, comme électronique mail. Et depuis les années 2000, maintenant, on parle plutôt de mail tout court, et non plus email. Et on a aussi perdu, le tiret entre le email. 90, donc c'est le premier spam qui a été envoyé. Donc, pour l'histoire, c'était un chercheur qui voulait promouvoir un livre qu'il avait écrit. Donc, du coup, il l'avait envoyé à tout le monde. Et donc, ça a été considéré comme un spam parce que c'était pas accepté. Enfin, c'était pas quelque chose de normal d'envoyer à tout le monde les mails. Et depuis, bah, en fait, c'est les mails les plus envoyés sur Internet. Malheureusement. En 96, le format HTML est arrivé dans l'email. Donc là, ça a été vraiment un gros changement. Donc, il faut savoir qu'en fait, la norme des formats HTML a été commencée en 91. Et du coup, c'est qu'en 96 que la norme Mintip a vraiment été validée. Donc, c'est quand même pas si ancien que ça, le mail. On a ensuite... un peu l'historique des différents webmails. Donc, on avait en 92 Windows Mail, qui était une application lourde pour lire les mails. À partir de 97, on peut parler de Yahoo Mail, qui est un peu l'avènement des webmails qu'on peut voir sur notre browser directement en ligne, mais avec toujours une interface pas très fonctionnel, et c'est en 2004 que Gmail est arrivé avec du coup cette interface ultra réactive avec l'Ajax et qui après a découlé tout le web dynamique et le web 2.0 et la suite. On a 270 milliards d'emails envoyés par jour, donc même si on a maintenant de plus en plus les messageries instantanées, Slack et tout, on voit toujours qu'en fait, le mail est quand même toujours très utilisé et c'est loin de s'arrêter. Et ça a même remplacé en fait tout ce qui est les lettres, le courrier postal, est vraiment remplacé maintenant par les emails. Très peu de personnes n'ont plus d'email maintenant, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, bah, c'est vrai que depuis 96,
Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans le mail. Et on peut se dire, bah voilà, du coup, qu'est-ce qu'il y a après? Et donc, si bah, maintenant on avait un commentaire sur Google Doc, on reçoit un mail de notification. Et si jamais, en fait, dans le mail, on pouvait directement répondre aux commentaires, fermer notre commentaire sans quitter le mail. Et si, bah, non, j'en ai raté un. Si on recevait un doodle plutôt que d'ouvrir le doodle et répondre, on répondait directement dans l'email. Et si, bah, on avait une notification Pinterest et puis que du coup, on a la liste de toutes les images et que en ouvrant, on a l'image en grand sans forcément quitter notre site. Et ben ça, tout ça, c'est ce que aimerait apporter AMP Email. Donc, je vais passer sur une démonstration. Donc, là, c'est mon mail. Un premier email que j'ai reçu, donc c'est un email tout simple. Et en fait, là, on voit que dans Gmail, j'ai un petit Z qui m'indique que c'est une messagerie dynamique. Donc j'ai fait si j'avais une liste de to-do et que je voulais en fait mettre des to-do, pouvoir cocher, décocher directement. Mais j'aimerais quand même pouvoir après recevoir ma liste de to-do sur mon par téléphone pour pouvoir après m'envoyer des mails. Donc, je vais m'envoyer le mail. Et puis bah, là, j'ai oublié quelque chose, donc je rajoute un autre to do directement. Donc là, mon email est déjà parti. Et je vais voir mes mails. Et là, je vois qu'en fait, je reçois mon email. En ouvrant l'email, il va télécharger la liste et en fait, on voit bien le dernier que j'ai mis. Et du coup, dans l'email, bah, en fait, je peux cocher directement mes éléments et je peux même en rajouter depuis mon email. Si je reviens sur le site, bah, en fait, j'ai tout qui a été rajouté automatiquement. Et un deuxième exemple. À Zenica, tous les mois, en fait, on reçoit un sondage à remplir pour dire quel est notre état d'esprit dans le mois. Et c'est envoyé directement au manager. Et ça permet en fait que le manager puisse après gérer s'il y a des choses qui ne se passent pas bien et puis pouvoir au mieux y répondre. Et donc pour l'instant, en fait, on reçoit un mail avec un lien et on va sur le site et on vote. Et là, du coup, on pourrait automatiquement, en fait, voter directement. Et donc, je pourrais dire, bah, je me sens bien, mettre un commentaire et voter. Et là, on voit bien que par rapport au formulaire qu'on peut avoir, ça ouvre directement le site. Là, en fait, on a directement, en fait, le message qui se met dans l'email. Alors, ça marche dans Gmail, mais ça marche aussi dans Outlook. Et donc là, on voit en fait mon message et il a été mis à jour même si je l'avais envoyé bien avant, donc hier. L'email s'est bien mis à jour. On va reprendre. Donc tout cela, c'est grâce à AMP. AMP, qu'est-ce que c'est? Accelerated Mobile Page. C'est une technologie qui a été créée initialement par Google. Pour justement avoir des pages mobiles qui s'affichent assez rapidement. Maintenant, c'est assez utilisé parce qu'il y a 31 millions de domaines et depuis 3 ans, c'est un fort impact sur Internet. C'est aussi biaisé par le fait que les gens pensent que si on n'utilise pas AMP, on sera moins bien référencé. Et donc, c'est pour ça que du coup, beaucoup de gens se mettent à l'utiliser.
Alors là, la présentation montre la page à gauche, c'est un site qui est en AMP, l'autre sans AMP. On voit bien qu'en fait, le site s'affiche directement, alors que l'autre, il met un temps avant de s'afficher. AMP, en fait, a quatre normes, donc AMP WebSite, donc la version pour pouvoir faire des sites Internet. Story et Ad, donc c'est pour faire des stories sur Facebook, Instagram, rapidement, et Ad pour faire des pubs. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est AMP Email, donc des composants pour pouvoir faire des mails dynamiques. Et donc, on pourrait se dire, bah, comment ça marche, pourquoi c'est aussi performant. Un site web normal commence par télécharger l'HTML. Une fois qu'il a téléchargé tout le HTML, il va le parser, il lire. Il va récupérer en fait tous les scripts JavaScript à afficher et télécharger les CSS. Une fois qu'il a ça, il va en fait pouvoir commencer à rendre l'affichage. Et une fois qu'il a téléchargé et parsé le CSS, il va pouvoir télécharger les fontes. Donc on voit bien qu'en fait le temps que notre page s'affiche correctement comme on voudrait l'avoir, il faut attendre que tout se charge, s'exécute et affiche. AMP, pour gérer ça, oblige à ce que les CSS soient directement dans l'HTML. Donc dès qu'on télécharge l'HTML, on a directement tout le style qui est déjà disponible et il peut déjà être rendu. Et le CSS doit être chargé en mode asynchrone, qui permet à ce que le navigateur charge les fontes directement avant même de commencer l'interaction. Donc, ce qui fait que du coup, le site va s'afficher, même s'il n'est pas encore interactif, mais on aura déjà le contenu, laisser le temps de commencer à lire avant de pouvoir interagir dessus. Deuxième chose, tous les composants doivent avoir une taille affinie, définie. L'image nous montre en fait un site normal, on n'a rien qui s'affiche, et puis une fois qu'il a chargé les photos, bah, en fait, tout le site saute et se redimensionne pour afficher les photos. Et donc, dans AMP, pour éviter ça, en fait, il nous oblige à ce qu'on mette automatiquement toutes les tailles des photos pour que il est, puisse réserver l'espace et afficher l'image quand elle arrivera. Ensuite, tous les composants sont chargés de manière asynchrone. Donc là, on voit bien qu'en fait, au tout début, il y avait en fait une petite icône qui était une image statique avant qu'en fait le composant se charge, puis charge la vidéo. Et une fois que c'est prêt, il remplace par la vidéo. AMP utilise aussi tout ce qui est les caches. Donc en fait, pour les AMP HTML, l'idée c'est que il y a des serveurs de cache le plus proche possible de tous les utilisateurs. Et du coup, quand on demande un site AMP, on ne va pas chercher le serveur web, mais on passe directement par le cache. Et donc, du coup, ça rend beaucoup plus vite. Et ensuite, d'autres améliorations. Donc, réduire le calcul de la page. Donc, en fait, les composants, normalement, quand on développe et qu'on modifie le DOM, puis après, on redemande de récupérer une autre valeur, par exemple une taille ou je sais pas quoi. À ce moment-là, en fait, le navigateur est obligé de rendre la page en entier pour pouvoir en fait être sûr que les calculs sont les bons avant de pouvoir refaire la lecture. Donc là, les composants sont designés pour que d'abord ils fassent toutes les lectures et après ils fassent les modifications. Donc c'est des gains de performance. Les animations sont accélérées. Il va essayer de ne télécharger que ce qui est nécessaire. Donc, les images, on va pouvoir mettre une liste de plusieurs tailles d'images et il ne téléchargera que l'image qu'il a besoin. Et après, essayer de faire du préchargement de ressources. Donc, AMP va venir en fait avec plusieurs layouts qui va nous permettre en fait de quand même pouvoir faire un site qui se redimensionne. Donc, soit en fait le contenu se met dans la taille qu'il faut avec fil. Soit il reste en taille fixe, soit il reste en taille fixe mais en gardant la même taille, la même hauteur, soit c'est du flex, soit responsive, du coup ils vont vraiment prendre les choses. Donc ça nous montre qu'en fait avec AMP on va quand même pouvoir faire des sites responsifs qui vont pouvoir se redimensionner en fonction des choses. Et donc, en fait, tout ce qui était là, AMP, qui a été fait pour HTML
Maintenant, ils sont en train de le mettre pour les emails. Et donc, on a déjà en fait quatre gros acteurs des emails qui ont dit qu'ils allaient suivre et l'implémenter. Donc, on a Google avec Gmail, donc qui est déjà en test sur web et mobile. On a Outlook qui est aussi en test. Yahoo qui ont dit qu'ils allaient l'implémenter. Et mail.ru aussi qui est disponible. Bon, ça nous intéresse un peu moins, mais pour les Russes, c'est quand même important. Donc, je pense qu'en fait, au fur et à mesure, les autres providers d'email vont s'y mettre aussi si cette technologie se met à fonctionner. Mais on voit qu'on a déjà quand même les plus gros acteurs des mails qui sont déjà prêts pour l'utiliser. Alors, une fois qu'on a eu toute cette présentation, maintenant, comment on va pouvoir écrire un email AMP. Donc, pour cela, en fait, on va revenir un peu au début de l'email avec le format MIME. Donc, un email, c'est qu'on voici un peu la source d'un email simple. Donc, c'est composé d'un header, donc avec des clés valeurs. Donc, c'est là qu'on va retrouver le from qui l'envoie, tout à qui on veut l'envoyer, le sujet, puis après plein d'autres headers qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et le contenu du message, donc c'est juste du texte, on peut mettre le contenu. Jusqu'en 91, en fait, le mail était au format ASCII 7 bits, donc en fait 127 caractères. Donc ça tombe bien, comme c'était les Anglais qui l'ont créé, bah, eux, ils n'ont pas besoin d'accent. Mais c'est vrai que bah, du coup, tous les autres pays avec leurs accents, bah, comme nous en France, ont vite été limités. Donc c'est là qu'en fait, ils ont défini qu'il faudrait qu'on puisse changer. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à implémenter le MIME type qui a été standardisé qu'en 96, mais depuis 91, il s'est déjà commencé à être implémenté. Donc, dans le MIME type, on va rajouter dans le header, en fait, bah, déjà qu'on utilise le MIME type et la version. Et on va avoir, en fait, le champ content type pour dire quel est le type du contenu qu'on a dans notre body. Donc là, on va pouvoir mettre content type text plain pour dire que c'est du texte et surtout l'encodage qu'on veut mettre. Et donc, ça va pouvoir être utilisé. L'idée est qu'en fait, tous les changements que MIME type va faire, c'est de rester le plus compatible possible pour que les anciens lecteurs de mail puissent continuer à fonctionner, même s'ils n'implémentent pas le MIME type. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir changer le type et on va dire qu'on a un MIME type multipart mixte. Et donc, on va, en fait, à l'intérieur du contenu du message, du body, on va pouvoir mettre plusieurs sections. Donc, une section avec notre message, et puis bah, une section de type binaire pour pouvoir envoyer des pièces jointes. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir envoyer des pièces jointes qui sont, du coup, le binaire est transformé en base 64. Et donc, on a toujours un message au format ASCII qui est affiché. Donc, une fois qu'on a ça, on peut avoir plusieurs blocs. Et bien, en fait, on va pouvoir en fait, mettre la version HTML. Et donc, du coup, dans le mail, on va avoir un bloc avec la version normale, un bloc avec la version HTML. Et donc, bah, AMP, bah, pour se placer, bah, l'idée, c'est simplement de rajouter un autre bloc pour dire qu'on a l'AMP HTML. Donc, on va mettre un content type texte XAMP HTML. Et après, on va mettre notre HTML à l'intérieur. Alors, il est conseillé de ne pas le mettre en dernier parce que certains lecteurs de mail prennent le dernier disponible et affiché. Donc, s'ils ne sont pas capables d'afficher l'AMP, ben, en fait, il y aura des erreurs et ça ne marchera pas. Donc, il vaut mieux en fait mettre en dernier le HTML et mettre l'AMP juste avant. Une fois qu'on sait comment le mettre dans notre email, donc, sachant qu'après, si vous utilisez des librairies d'envoi de mail comme Mailjet, Mailgun et tout ça, ils le font pour vous automatiquement. Ils ont déjà la possibilité d'envoyer les mails en AMP. Alors, maintenant, comment se forme le HTML AMP? Donc, c'est l'HTML 5 de base. Sauf qu'en fait, dans la balise HTML, on va mettre
AMP for email. Donc, soit AMP écrit en texte, soit avec l'emoji éclair. Ça marche aussi. Ensuite, on met le charset qu'on veut utiliser. On charge le script AMP, mais en mettant toujours la balise asynchrone. On inclut notre style. Donc, le style, on peut mettre plusieurs balises style. Là, ce style-là qu'on met AMP for email boilerplate, c'est un style qui va s'appliquer au chargement de l'email et sera désactivé quand le AMP framework sera chargé. Donc, ça permet en fait de pouvoir mettre un chargement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que du coup, on cache le texte tant que l'AMP n'est pas chargé. Et voilà, ça, c'est l'email AMP de base, le plus simple possible. Et après, bah, en fait, on va rajouter nos composants AMP entourés d'HTML qu'on peut utiliser. Donc, les composants AMP, donc à gauche, en fait, on voit la liste de tous les composants AMP sur les websites qu'on peut utiliser. Donc, la liste est très, très longue. Donc, on a à la fois pour pouvoir afficher des vidéos, enfin, plein de trucs. Et à droite, on a la liste des composants AMP disponibles pour l'email. Donc, la liste est quand même beaucoup plus courte. Après, c'est un peu plus récent aussi. Et puis, du coup, je pense qu'il y a plus de limitations dans l'email que dans l'HTML. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de composants qui ne sont pas disponibles. Mais les composants qui sont là sont déjà assez intéressants pour pouvoir faire des choses dans nos emails. Donc, un peu quelques composants pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, AMP image, donc c'est la balise image HTML. Sauf que là, on nous oblige à avoir à définir une taille et le layout, comment on va afficher notre image. Et on va pouvoir en fait aussi définir différentes images en fonction des différentes résolutions qu'on va avoir. Après, un composant sympa, c'est carousel qui va pouvoir permettre de mettre dans notre email un carousel et pouvoir faire défiler des images. Là, on arrive en fait vraiment dans les composants qui vont vraiment être intéressants pour faire des emails dynamiques. Donc, c'est AMP list. Donc, ça permet d'afficher une liste ou une donnée en elle-même, hein, parce que si la liste retourne qu'une seule donnée, ça va afficher. C'est vraiment le composant qui va permettre d'afficher des données externes. Donc, dans SRC, on va mettre l'URL de nos données qui va retourner notre liste en JSON. Et après, on va mettre à l'intérieur un template pour dire comment va s'afficher chacune des lignes de notre liste. Et donc, c'est un template moustache, donc ça va nous permettre de pouvoir faire des choses assez dynamiques et pouvoir faire. C'est comme ça que j'ai pu faire la liste des to-do. Donc là, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de place, mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur de AMP List, en plus du template, là, vous mettez en fait le HTML automatiquement généré, qui fait que du coup, il affichera d'abord ce HTML-là, puis il ira chercher la liste, et il remplacera par la liste qui vient d'Internet. Donc ça vous permet en fait d'envoyer par mail déjà la version statique, et puis de mettre à jour le mail après. L'autre balise intéressante, c'est AMP Form, qui va permettre de mettre un formulaire. Donc, ça va être un formulaire HTML. Sauf qu'on voit que l'attribut action, au lieu d'être action égale, c'est action-XHR. Et donc là, en fait, on va lui dire vers quelle URL on veut envoyer de manière asynchrone le résultat. Et du coup, quand on envoie notre formulaire, on le remplit, il ne va pas changer de page et envoyer directement le formulaire. Et on a la possibilité après de pouvoir afficher des messages s'il y a un succès ou une erreur. Toujours des templates moustaches pour dire le résultat. Enfin, AMP Bind, du coup, c'est ça qui va permettre de pouvoir rajouter un peu de dynamisme dans notre email. Donc là, dans l'exemple qu'on voit, j'ai oublié de dire, en fait, à chaque composant, il faut rajouter au-dessus l'import du script. Et là, en fait, après, on va pouvoir. Là, l'exemple, c'est que j'ai un bouton. Je m'abonne sur l'événement on tap du bouton.
Et donc là, je vais exécuter un pseudocode JavaScript et je vais en fait appeler, changer l'état, en fait, setState à name. Et à ce moment-là, une fois que le name va être défini, le texte va remplacer le hello world qui était là par hello afup. Donc en cliquant sur le bouton, en fait, ça va changer. Mais tant que le state n'a pas changé, c'est le texte par défaut HTML qui va s'afficher. Donc ça permet en fait de pouvoir faire un peu une interaction dans notre email sans en fait passer par un serveur directement. Alors comment essayer? Du coup, c'est quand même déjà disponible dans Gmail. Donc vous allez dans les paramètres et vous avez en fait une ligne messagerie dynamique. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et après, dans les paramètres développeurs, vous pouvez activer les emails de AMP Gmail Dev. On verra après, c'est pour pouvoir tester directement avec le playground de Gmail. Et ajouter après votre email pour faire vos tests. Ensuite, dans Outlook, c'est pareil, un courrier, gestion des courriers, il y a à activer et on peut en dessous ajouter la liste des emails qu'on veut avoir. Donc, comme j'ai dit, le playground, donc AMP nous propose un playground, donc on écrit notre message AMP email à droite. On a un validateur qui va nous dire comment on veut. Si c'est notre email est bien formé et on a le résultat là-dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut faire un send et il va nous envoyer directement l'email à notre email et pouvoir tester. Donc, en fait, sur Gmail, quand on a un mail AMP, en fait, on a cette icône-là qui va nous indiquer. On a ce gros message-là qui s'affiche la première fois pour bien indiquer que là, on reçoit des mails dynamiques. Une fois qu'on a bien testé notre email et tout ça, on va pouvoir en fait enregistrer notre email. Donc, le principe, c'est que dans AMP, il y a seulement les mails autorisés qui peuvent envoyer des emails AMP à des vrais utilisateurs. Donc, pour cela, sur Gmail, en fait, il faut envoyer votre email AMP que vous voulez envoyer à l'adresse de Gmail, remplir le formulaire et puis eux, ils vont valider votre email s'il est bien conforme et vous pouvez après envoyer des mails. Outlook, c'est pareil, c'est un formulaire à envoyer avec toutes les informations. Donc, moi, j'avais tenté de le faire pour pouvoir le faire. Mais ça m'a été refusé parce que le mail que j'ai créé pour envoyer ces emails-là est un email que j'ai créé spécialement pour ça. Et en fait, il demande quand même à ce que cet email-là envoie déjà plein de mails normales qui ne soient pas des spams avant. Donc, du coup, je n'avais pas d'historique d'envoi de mail. Donc, je n'ai pas pu faire valider mon email. En conclusion, on peut se dire, ouais, c'est bien d'avoir un email dynamique, mais la sécurité dans tout ça, est-ce que c'est pas trop dangereux et tout ça? En fait, AMP apporte directement déjà des éléments de sécurité. Donc, les composants, on ne peut pas mettre de JavaScript custom. Donc, on peut faire des interactions avec un pseudo un JavaScript limité, mais du coup, on ne pourra pas avoir de failles avec ces choses-là. On est limité aux composants disponibles par AMP. Donc, en fait, il y a toute une revue de tous les composants qui sont proposés. Et donc, la sécurité est revue par tout ça. Et donc, on ne peut pas créer notre propre composant et donc y mettre des failles dedans. Les emails doivent être validés par DKIM et SPF. Donc, c'est des normes pour pouvoir valider qu'on est bien l'expéditeur du mail. Notamment avec des DNS qu'on doit mettre sur le même domaine que l'email qui l'envoie et des headers spécialisés pour dire mettre des signatures pour bien dire que c'est nous. Si jamais en fait cet email n'est pas validé, en fait l'email AMP ne s'affichera jamais. Donc en fait c'est vraiment
obligatoire tant que toutes ces vérifications, tant que le AMP n'est pas valide, l'email AMP ne s'affichera jamais, donc ce sera toujours que la version texte ou HTML qui s'affichera. Ensuite, bah, tout ce qui est les URL, l'URL doit être exactement le même domaine que l'envoyeur de l'email. Donc du coup, on ne va pas pouvoir, en fait, dans notre email, aller faire des requêtes sur un autre serveur que le nôtre, donc pour faire du phishing. AMP, au début, a été créé par Google. Maintenant, en fait, ils l'ont sorti dans un communauté indépendant. Et donc, en fait, on a un communauté technique indépendant qui réfléchit à l'avenir de AMP à développer. Et à l'intérieur, il y a plusieurs entreprises qui y travaillent. Donc, bien sûr, des gens de Google, mais aussi de Microsoft, de Pinterest et plein d'autres boîtes. Donc, on voit bien que ça commence à devenir un truc qui est totalement en dehors et qui est en train de se standardiser avec, avec tout le monde. Un petit retour d'expérience, donc dans les trucs un peu moins. C'est une technologie qui est récente et peu intégrée. Beaucoup de limitations, peu de composants disponibles. On est encore en support bêta test sur Gmail, Outlook et Mail.ru. Et pour l'instant, il y a quand même très peu d'informations disponibles. Mais en plus, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui va permettre d'ajouter de l'interactivité dans nos mails, d'avoir des emails sécurisés. Ce qui est quand même intéressant, c'est quand même des gros acteurs qui travaillent dessus, donc Microsoft, Google, Yahoo. Et je pense qu'en fait, ça va être l'avenir de l'email, même si tous les mails ne seront pas en AMP, parce que quand on envoie un mail entre nous, on n'a pas forcément formé les mêmes AMP, mais pour tout ce qui est marketing, pour tout ce qui est notification et tout ça, c'est quand même assez intéressant et ça va permettre de rajouter un plus tout en étant sécurisé. Donc, bah, voilà, bah, merci. Et donc, je ne sais pas combien il reste de temps pour des questions. Merci Patrice, on a beaucoup aimé ton talk. Vous avez des questions? Mettez un petit point d'interrogation dans vos chats pour pouvoir poser des questions. Sinon, on ne les voit pas. Il y a... Tac, tac. Merci Dolga. Yes, pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Petite question, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées par AMP en ce moment que toi tu as pu voir ou dans AMP email? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai montré en fait. L'exemple des notifications ouais. Drive là, c'est déjà fonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, du coup. Si vous avez des Google Docs et que vous avez coché la case, ben en fait, automatiquement, toutes vos notifications, vous allez pouvoir répondre aux commentaires directement dans, oui. dans l'email. Donc ça, c'est déjà fonctionnel. Après, je n'ai pas encore vraiment vu d'email AMP qui s'envoie. Pinterest, pour l'instant, ils ont fait l'image de démonstration pour montrer ce qu'ils pourraient faire, mais c'est pas encore de l'email dynamique, même oui. s'ils envoient quand même l'email okay. en AMP. En fait, sur Gmail, donc je repasse sur mon écran, on peut en fait, il y a un opérateur caché qui permet de, en fait, de voir tous les emails dynamiques. Et on voit qu'en fait, voilà, il y a déjà quelques-uns qui envoient des mails. Ok, donc si on fait is deux points accent circonflexe dm, tu as tous les emails dynamiques qui apparaissent. Ouais. Et donc, du coup, j'ai remarqué qu'en fait, Pinterest envoie les mails en AMP, mais en fait, je suis allé regarder leur code. Pour l'instant, c'est juste pour pouvoir mettre un effet de rollover sur l'image. Mais il n'y a pas encore la présentation qu'ils ont montré de on peut ouvrir l'image directement okay. dans l'email. Je pense qu'ils sont pas prêts.
Doodle le lance pas non plus encore. Enfin, voilà, c'est encore pour l'instant, c'est encore expérimental, bêta, mais on peut déjà commencer à travailler. Tous les fournisseurs de mail, Mailgun, Mailjet et tout ça, ont déjà dans leur API la possibilité d'envoyer en MP. Okay. Donc on peut commencer. Enfin, une question de Alexandre Roque-Ancelet. Est-ce qu'il existe déjà des outils en back-end PHP-JS pour simplifier l'intégration AMP? Alors, comme je l'ai dit, en fait, les mailers permettent déjà de le faire. Donc, en gros, du coup, on leur met le texte HTML, AMP, HTML, et là, on met notre code. Après, c'est de l'HTML de base. Donc, du coup, vous faites comme quand vous générez votre HTML. Ce que je sais, c'est que les gros mailers qui permettent de faire générer des mails par drag and drop marketing, il y en a certains qui font déjà, Stripo Team, j'avais testé pour ça, le font déjà en AMP, mais pour l'instant, ils ont que mettre le composant image dessus ou le carousel. Mais ils ne gèrent pas en fait tout ce qui est les listes et tout ça. Ok, très bien. Une dernière question. Là, je pense qu'on arrive. Hop là, une petite question qui apparaît. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres monteurs de template que Moustache? Non, pour l'instant, c'est Moustache. Après, je pense qu'en fait, il y aura d'autres composants qui arriveront pour utiliser d'autres. Mais voilà, du coup, c'est limité, mais on peut quand même déjà faire pas mal de choses avec. Ok, et une question, où est-ce qu'on va trouver la conf plus tard? La FUP, va partager le talk en replay et vous serez notifié de la prochaine fois. Alors là, je pense qu'on arrive à la fin de ce talk. On va vous envoyer le petit lien pour le prochain talk. On vous remercie. Merci beaucoup, Patrice. C'était hyper intéressant. Sur comment rendre un email dynamique.